titre le mérite ô combien. Ça n'a pas été un titre facile à conquérir. Puis d'abord, c'est pas un titre, c'est deux. Donc c'est exceptionnel, franchement. C'est une saison réussie. Parce qu'on ramène deux trophées et ça faisait longtemps que le club et les gens attendaient quelque chose. Et en une saison, on en a ramené deux. Chapeau pour ce que les joueurs ont réalisé. Pour moi, c'est une immense fierté, voilà, d'être là à ce moment-là, parce que j'ai connu des moments fabuleux en tant que joueur. Ce club m'a beaucoup apporté. J'espère lui avoir redonné un petit peu tout ce qu'il a pu m'apporter en tant que joueur. C'est Didier qui m'a dit un dimanche matin, je crois, à Paris, il m'a dit, venez, on se connaissait peu au fond, on va faire des grandes choses ensemble. Messieurs, bonjour. C'est un type qui a des forces, une force de conviction, et puis vraiment, on peut s'appuyer sur lui, c'est un gars solide. Je crois que nous avons trouvé une bonne complicité, on est un peu fabriqués tous les deux de la même façon. Unis autour du projet sport. L'objectif numéro 1, c'était être en Champions League. C'est vital, sportivement et économiquement. Donc voilà, il y a trois places. La troisième qui était un peu aléatoire, la deuxième qui est sûre, et puis la première qui est encore la plus belle. Quoi. Donc évidemment, il y avait la Ligue des Champions et les deux coupes nationales, mais la priorité, c'est et ça restera toujours le championnat. J'ai effectué ce recrutement après avoir fait une analyse de l'équipe et de l'effectif de la saison dernière. Et pour voilà, j'avais trois objectifs clairs que j'ai lancés en début de saison, à savoir renforcer le secteur défensif, amener de la puissance athlétique parce que l'équipe de l'an dernier en manquait, selon moi, et puis redevenir maître au Vélodrome parce que Marseille a perdu beaucoup trop de points la saison dernière sur son terrain. Donc, et en atteignant ces trois objectifs, j'étais convaincu qu'on ne serait pas loin du bout. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, un journal consacré à la disparition de Robert Louis Dreyfus. L'actionnaire majoritaire du club s'est éteint samedi à l'âge de 63 ans. Il était le propriétaire de l'Olympique de Marseille depuis 1996. Bah, c'était un choc pour tout le monde. Personnellement aussi, j'ai eu un choc. Quand j'ai vu ça, j'étais brusqué. La disparition brutale de Robert, même si on savait qu'il était malade, on avait tous l'espoir qu'il s'en sortirait. Ça faisait 10 ans qu'il s'en sortait. Donc là, on a tous été un peu foudroyés par la nouvelle brutale de sa disparition. Derrière, c'était quand même un peu l'aventure. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé Margarita Louis Dreyfus, sa femme, et ses enfants, qui vraiment n'ont pas hésité une seconde. Elle est attachée à l'œuvre de Robert, dans la fidélité à ce que voulait Robert, et je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, moi, dans les dernières minutes de la vie de Robert. En tout cas, je trouve qu'on vit avec elle et avec ses enfants des moments très forts, très émouvants. La perte de Robert Louis Dreyfus, ça représente vraiment quelqu'un qui a œuvré pour ce club et qui œuvre encore aujourd'hui, même s'il n'est plus parmi nous. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, trop souffert par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce club. Je pense qu'il aurait mérité qu'on lui témoigne un peu plus d'attachement et de remerciement quand il était là pour tout ce qu'il a fait. Thank you.
Il y a déjà eu avant le départ de Pape Diouf, et c'est lui qui est venu me chercher. Si je suis venu ici, c'est aussi pour lui et grâce à lui. Et puis après, ça s'est enchaîné. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer le départ de Pape et puis le décès de M. Dreyfus, puisque là, c'est l'actionnaire, tout ce qu'il représentait, tout ce qu'il a fait pour le club. Donc, il y a eu quelques jours un peu difficiles pour savoir comment ce club allait fonctionner, l'organigramme, avec qui j'allais travailler, comment. Donc, après avoir eu 3-4 jours de discussion, j'ai été rassuré, tout du moins je pouvais mettre des noms au cases vides et savoir avec qui j'allais fonctionner au quotidien. Voilà, salut Walter, bienvenue à Grenoble. Combien de déplacements, hein? Oui, ça va. On commence maintenant. Lâche rien. Le nouvel OM, pour moi, il démarre le soir de l'hommage à Robert Louis Dreyfus, du match contre Bordeaux. Parce que pour moi, on construit là l'avenir de l'OM, qui n'était pas gagné d'avance. Hein. Mesdames, messieurs, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous présenter Madame Margarita Louis Dreyfus, qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. C'est le premier match au Vélodrome. C'est enfin l'occasion pour nous de rendre l'hommage que mérite Robert pour tout ce qu'il a fait pour ce club. Je veux devenir un championnat, j'adore ce club. Évidemment, il y a des moments où on a des petits coups de blues quand tout ne marche pas parfaitement, mais je suis très attaché et je veux gagner enfin des trophées. Tout le monde s'est rendu compte à ce moment-là que voilà, Robert Louis Dreyfus a fait beaucoup pour le club. Ouais, beaucoup d'émotions, c'est clair. Un maillot spécial, une ambiance spéciale. Et on a vu toute sa famille, ses enfants. Je pense qu'avec sincérité, Marseille a montré ce soir-là qu'il avait envie de continuer avec la famille, les fils, les enfants, Margarita. Et depuis, ça ne s'est pas démenti. Après, on se lance dans ce match et voilà, c'est parti. Et effectivement, on est tellement concentré que ce contexte, on va dire, qui nous envahit, disparaît au fur et à mesure des minutes. Ça a été un match vraiment très très engagé et tout, donc ouais, ça reste en souvenir. Puis en plus je rentre en début de match et tout, donc
Ouais, ça reste en plus le plus gros match, le premier gros match de la saison, donc une grosse attente. On avait à cœur de gagner ce match. On a montré énormément de détermination. Malheureusement, on tape les poteaux et puis on a pris qu'un point. Mais c'est un match oui, qui est très très important dans la saison et très très émouvant. Un match de très haut niveau, effectivement. Et, voilà, à l'image de la soirée, il y avait l'excitation, de l'engagement, du caractère. Il y avait beaucoup de choses dans ce match et de l'émotion au travers du contexte. Donc, oui, c'est un match qui a marqué un petit peu les esprits. Mais... Bien joué. Deux grosses équipes et on les a prises, à savoir le Milan AC et le Real Madrid. Donc évidemment, les probabilités de sortir des poules étaient plus petites. C'est vrai que ce premier match contre le Milan AC à domicile nous plombe un peu parce que... Des moments forts parce que le Milan AC, ça représente tellement de choses au sein du football que... Bon ben voilà, pas présent sur la pelouse, j'étais dans les tribunes à cause d'une petite douleur à l'adducteur et... Et oui, beaucoup de pluie, très très humide, des conditions incroyables. Avec une première mi-temps, on était derrière, mais bon, on a encore appris ce soir-là qu'il fallait encore faire plus d'efforts et être encore plus concentré contre des grandes équipes. Même si le groupe était dur, parce qu'il ne faut pas oublier avec Madrid des grandes équipes, mais on espérait, par rapport au jeu produit, on espérait... Costaud, on concède très peu de choses, on a quelques opportunités devant, et malheureusement tout d'un coup tout s'accélère avec un ballon anodin en profondeur. Le Milan, gros morceau. Après, il y a le FC Zurich, donc une équipe qu'on connaît un petit peu moins, mais je crois champion de Suisse l'année d'avant. Donc pas simple effectivement, et on l'a vu tout de suite les premières rencontres. Mais bon, c'est la Ligue des Champions, voilà, et c'est en espérant que l'année prochaine sera une année beaucoup plus souriante à l'OM sur la scène internationale, parce que le club le mérite. Et aujourd'hui, on est dans cette phase de confiance et de sérénité qui peut nous servir à passer cet obstacle-là.
Gabriel. Pas mal tiré. Et oh, oh là là, miracle. Et but. Oh là là. Et but. Égalisation marseillaise. Attention à ce raid de Gogou. Il faut l'attaquer. Attends, oh là là, il s'est couvert la brèche. Oh là là, et but oh là de là là Gogou. Ah là 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 là. Il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer. Giroud. Giroud, attention, Koné est en jeu maintenant. Oh, frappe, vieux Giroud. Hey, but. But de Benoît Giroud. Oh là là là. C'est formidable, juste avant la mi-temps, ouais. Ce but de Benoît Giroud de son mauvais pied. Et oh oui, magnifique but. Oh, Nakhi Koné. Corner pour l'OM. Oh oui, but. But de Mandao. Il va te mettre des buts. Ah, il va mettre des buts. De folie. Je reste toujours bloqué sur cette 75e ou 70e minute où on mène 4-2, quoi. Et Lyon est tout proche d'être en perdition. Ils sont plus près de prendre un 5e que de revenir à 4-3. Et puis après, voilà, il y a un 4-3 et un moment du match, on le perd. J'aurais préféré, sur un plan personnel, j'aurais préféré faire 0-0. Maintenant, c'est vrai que pour les spectateurs, pour les gens qui regardaient ce match, 5-5, pour eux, c'était un superbe match avec beaucoup de spectacles. Mais au poste de gardien de but, le spectacle, quand il y a un 5-5, sincèrement, je m'en passerai. Je suis désolé pour les supporters, mais j'aurais préféré un 0-0. Ce match, on le tient, quoi. À un moment donné, on le tient, on le perd, et... enfin, on le lâche, on le perd même, et on le regagne, on regagne le match nul à la fin. Donc c'est... beaucoup de... assez incroyable. 5-5, incroyable. Un côté spectateur, un côté statistique, c'est un reflet qui va rester très longtemps dans le football, mais bon, pour nous, à la fin, c'était beaucoup de déception. Je me rappelle ce que j'ai dit à mes joueurs, j'ai passé une soufflante après dans la fin du match, c'est une faute professionnelle qu'on a fait là-bas. On n'a pas eu l'attitude de compétiteur, voilà. Et c'est ce qui nous a fait perdre deux points majeurs là. On avait fait une première partie de saison intéressante. On aurait pu virer à la trêve en gagnant Auxerre à 35, un match en moins. Donc c'était susceptible de nous porter à 38, Bordeaux à 43. Ils avaient fait une première partie exceptionnelle. Aucune équipe a viré à la trêve à 43 points. Et là, en perdant chez nous, on s'est vraiment plombé notre première partie de saison. Et ça a pratiquement effacé tout ce qui avait été fait de bien, même si on a eu quand même un manque de continuité dans les résultats sur cette première partie de saison. Beaucoup de résultats en dents de scie, du bon, du moins bon, en termes de résultats, à l'image de nos matchs aussi, où on peut alterner des bonnes séquences et parfois des séquences où on est dominé, où on souffre, on prend des buts. Mais bon, je crois que ces moments-là, il faut savoir persévérer, continuer à travailler, même si c'est dur, faire le dos rond. C'est vrai que cette période-là n'est pas simple. Après mon temps de jeu limité pour ma première partie de saison, j'ai voulu encore quitter le club parce que j'avais envie de jouer, j'avais soif de temps de jeu. Et puis après, c'est vrai que j'ai eu cette discussion un petit peu aussi avec le coach, je pense qu'au stage de Peralta, qui m'a fait prendre conscience de plein de choses. Ça a été un discours d'homme avant tout, et ça a été un discours constructif. Et ça m'a permis de me dire ce que j'avais encore à progresser. Est-ce qu'il pensait de moi? Est-ce qu'il attendait de moi aussi? J'ai eu une discussion avec Mathieu, avec d'autres aussi, mais moi, quand je suis arrivé au mois de juillet, je leur ai dit, on part ensemble, on va finir ensemble. À la reprise, lorsqu'on est parti en stage en Espagne, j'ai vu des joueurs avec l'envie de travailler, la détermination. Donc je me suis dit, ça y est, ils ont quand même compris certaines choses. Et l'objectif, c'était de faire mieux que la première partie de saison.
fait un mois de janvier intéressant et tout d'un coup, bim, on joue Montpellier, une équipe qui était en haut de classement. On voulait vraiment faire encore un gros coup là-bas et puis bim, on reprend une claque et on prend, ouais, il y a 12 points sur Bordeaux, mais il y avait aussi des points de retard sur les autres et tout. Donc au soir de ce match-là, on était vraiment la tête dans le sac et c'était pas simple. Découragé, non. Déçu, profondément déçu. Déjà, bon, de perdre le match, je le saurais à chaque fois, mais de l'attitude qu'on a eue en deuxième mi-temps, où, voilà, on n'a pas mis les ingrédients indispensables au haut niveau et on s'est fait manger par cette équipe de Montpellier. Donc là, sur ce plan-là, il n'y a rien à dire. Il n'y avait pas photo et forcément, c'était un peu une rechute parce que jusqu'à là, on avait fait de bonnes, de très bonnes choses et là, c'était un nouveau coup d'arrêt. Alors forcément, au classement, on était loin, très loin. Mais il restait encore beaucoup de matchs. Ça ne dépendait pas de nous, c'est ça le plus difficile. Eh bien, on s'est dit qu'on allait... Moi, je parlais à tout le monde, tout de suite, mon entourage, j'ai dit on va être champion. Et on a tous eu cette mentalité-là d'aller chercher le titre, ne pas se contenter de la Ligue des Champions. Même si c'est vrai, en dehors, on ne disait pas trop ça. Mais à l'intérieur, c'était le feu. Je dois confesser que j'ai un petit doute à ce moment-là. Je me dis qu'on va peut-être pas y arriver. C'est normal. À combien on était à ce moment-là de Bordeaux? 12 points. On pouvait faire la meilleure fin de saison possible. Il fallait aussi que les autres en fassent une moins bonne pour qu'on puisse rattraper les points. Donc, mais on s'est attaché à l'essentiel, aux bases. Voilà, sur la détermination, l'envie, la motivation, l'état d'esprit, cette culture de la gagne. Et après, c'était plutôt bon. Mon meilleur souvenir de la saison, c'est le match demi-finale de la Coupe de la Ligue. Je pense que tout part de là. Je pense que c'est pour moi, c'est le match qui a été le plus important de la saison. Dernière minute, on perdait 1-0 et après on égalise Brandao de la tête. Et après on gagne le match en prolongation. Je pense que ça a été très important pour mentalement pour toute l'équipe. Parce qu'on avait une sérénité quelque part. On savait qu'on pouvait gagner un titre sur un match. Et ça nous a dégagé d'un petit fardeau. Eh, si on y va, c'est pour la gagner, hein. J'ai pété les plombs le soir de Toulouse, quand on gagne 2-1, qu'on se qualifie pour la finale de la Coupe de la Ligue, car je me suis dit, cette finale-là, on va la gagner, c'est un titre, et j'aurai rempli mon contrat avec Marseille, avec la ville, avec les supporters, avec tout le monde. Et voilà, c'est parti. Il y a beaucoup de compétiteurs dans l'équipe, il y a beaucoup
de gagneur. Donc voilà, quand il y a des gagneurs, et ben, on n'aime pas la défaite, on n'aime pas. C'est la première place qui est le plus important. Pour moi, je voulais prendre le max, dans le sens de gagner tous les matchs. Sinon, on gagne tous les matchs, à un moment donné, ils vont passer à côté de certains matchs contre les grosses équipes. Et puis, il y a toujours des matchs nuls, des défaites. Donc voilà, après, c'est des circonstances. Mais nous, au fond de nous, c'était de gagner tous nos matchs. Il n'y a pas eu, je crois, de déclic. Il y a eu des progrès qui ont parfois été difficiles à déceler. C'était un peu subtil. Didier dit qu'il a toujours eu confiance dans son groupe. C'est formidable. Bien joué. Oh oui, magnifique. Bon. Oh, il est beau. Oh, bien joué, Louche. Bien appuyé sur le phénomène groupe, effectivement, ouais, parce que tout le monde est vraiment concerné. Ceux qui jouent le moins, peut-être même le moins, sont plus importants parce que c'est difficile d'emmener tout le monde dans le même état d'esprit, et dans la même envie et la même qualité jusqu'à la fin de saison, parce que quand on joue pas beaucoup, on a moins de rythme. Mais c'est ça qui a fait la force de ce groupe et qui a permis de faire des résultats beaucoup plus réguliers et d'avoir un état d'esprit irréprochable. Même si dans des matchs difficiles, on a su s'accrocher. Les préfets, Paris, Marseille, ont souhaité qu'on accompagne les joueurs du départ en autocar de Marseille jusqu'à Paris. Ils ne l'ont pas accepté, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Et donc on dit, bah, dans ces conditions, on ne monte pas. Ça a été, je pense, la décision la plus intelligente qu'ils aient prise cette année. Ils se sont montrés responsables en disant « on choisit le sport ». Plus que la violence qui, hélas, en dépit de tous les efforts des forces de l'ordre, aurait sans doute été inévitable. Indépendamment de ces phénomènes violents, moi, de toute façon, j'avais d'ores et déjà dit que si les supporters ne montaient pas, je ne monterais pas davantage. Ça aussi, ça a été un moment particulier, ils ne sont pas montés. Mais nous, on avait à cœur de gagner déjà pour les 3 points. Et puis après, parce que... match-là, effectivement, à l'extérieur, on est très 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 à l'aise, très solide, mais ça c'est pareil, c'est vraiment l'état d'esprit qui fait beaucoup de différence, c'est la qualité du groupe, mais on a une base qui est importante aujourd'hui, c'est l'état d'esprit, c'est ces valeurs marseillaises de ne rien lâcher, de tout donner ensemble, et ça il faut continuer parce que c'est avec ces bases-là qu'on peut avoir des résultats. De venir ici, donc je leur dis qu'ils pensent aussi à eux et je pense qu'ils sont très fiers d'avoir vu une équipe conquérante comme l'Olympique de Marseille l'a été ce soir. Sur le moment, il y a une grosse déception parce qu'on perd dans les arrêts de jeu et en plus on menait 1-0, on avait les cartes en main et on prend ce premier but qui est contré dans les arrêts de perdre du tout, mais ça a été un bien parce que ça nous a un peu allégé un peu le calendrier et ça nous a permis de dérouler. On avait deux matchs en retard et tout, donc bon bah c'est sûr que ça nous a fait 2 matchs en moins, la non-qualification, donc on ne va pas dire que ça nous a été négatif d'être éliminé, mais bon, on voulait passer quand même, donc c'est comme ça. Mais on a su en profiter derrière, quoi. Ce qui a fait un peu oublier tout ça, c'est la victoire 3 jours plus tard face à Lyon. Et là, ça a été très très important parce qu'on a montré qu'on avait énormément de cœur et de mental pour ressortir la tête de l'eau. Un déclic, mais il y a des matchs charnières et celui-là en est un. Et de gagner Lyon 3 jours après, après cette énorme déception. Puis en deuxième mi-temps, même si on a eu une première demi-heure où on a frôlé la catastrophe sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas eu photo sur le plan de la détermination qu'on a pu mettre à vouloir gagner ce match. Bonsoir à
à toutes et à tous, bienvenue ici au Stade de France pour cette finale de la Coupe de la Ligue entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. Ce trophée où passent les joueurs à quelques centimètres dans 90 voire 120 minutes, et bien peut-être ce trophée sera pour l'Olympique de Marseille après 17 ans sans la moindre victoire dans une compétition. Et bien Marseille a l'occasion ce soir à nouveau face aux Girondins de Bordeaux de vaincre ces 17 ans de disette. On a fait un parcours, un gros parcours en Coupe de la Ligue, avec des matchs pas faciles, avec des prolongations, avec des retournements de situation, et c'était pas simple. Et jouer Bordeaux en plus en finale, une belle finale. Et effectivement, ce match plein de notre part, où on gagne 3-1, où je pense qu'il n'y a vraiment rien à dire, bah, ça nous a aussi boosté encore, nous a donné confiance d'aller chercher des choses. Allez. De Marseille! Et elle est belle la tête, elle est belle, et le sourire, la joie de Jean-Claude Dacier. Il va sur la brune. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. En 7 minutes, Marseille qui est en train de faire plier les Girondins de Bordeaux. 2-0. Au-delà de tout ça, de mon but, je pense que c'est une finale. C'est au Stade de France. Et il y a un titre au bout, je marque. Et puis en plus, avec ma famille, toute ma famille dans les tribunes. Donc ça a été quelque chose de très très fort. Et puis avoir gagné ce titre avec l'Olympique de Marseille, ce que quand j'ai signé ici, dans le bureau de Pape, c'était, il m'avait toujours dit « oui, tu verras si tu gagnes un titre ici ». Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de fort. Et que je voulais savoir ce que cela représentait. Un troisième but marseillais. Diawara, non? C'est Souleymane Diawara, Edouard Cissé. Sur le centre, je disais, passeur, buteur, Mathieu Valbuena. Le porte-bonheur, hein, Cissé. Il a gagné, je crois, toutes ses finales, Edouard Cissé. Oh, 3-0 pour l'Olympique de Marseille. Et la bise, Jean-Claude Godin avec Jean-Pierre Foucault. Et c'est terminé, la victoire de l'Olympique de Marseille. Victoire 3-1 face au Girondins de Bordeaux-Marseille qui remporte cette finale de la Coupe de la Ligue au terme d'un parcours exceptionnel. Premier titre, c'est clair que c'était impressionnant. En plus, ça a mis encore un peu plus de valeur parce que c'était face à Bordeaux, le tenant du titre et le champion en titre sortant. Donc c'était vraiment un gros moment parce que c'était le premier trophée. En plus, on a pu voir la ferveur et l'ambiance qu'il y avait dans le stade et autour du club, donc vraiment très très bon. Avec les supporters, parce que pour moi c'est très important que les supporters, c'est le 12e moment, mais c'est eux qui des fois nous permettent de repousser nos limites. C'est vraiment important pour moi et c'est très très jouissif pour moi aussi. Et j'ai vécu ça avec beaucoup d'intensité. Il y avait un tel engouement de la part du public et des supporters de Marseille que voilà, on a pris beaucoup de plaisir à fêter ce titre là. Merci Monsieur Souleymane. Ah non, mais je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est grâce à vous. Aujourd'hui, vous avez mis un but extraordinaire et puis ça a lancé la partie. Et puis aujourd'hui, on est vraiment heureux. Hein. Non, il a raison. Hein. Non, il a raison quand même. Ça reste la Coupe de la Ligue, ça ne reste que la Coupe de la Ligue, mais ça donne envie d'en gagner d'autres et de sentir vraiment cette fusion entre ce club et ses supporters et tout ce que ça représente. Donc je pense que c'est une étape très importante d'avoir gagné cette Coupe de la Ligue. Le jour du match, le lendemain, la fête qu'il y a pu avoir sur le Vieux-Port, cet engouement qu'il y a eu autour de cette ville pour une Coupe de la Ligue. Donc ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et puis en plus, sur un plan personnel, parce que j'ai marqué, c'était contre les Girondins de Bordeaux, donc on était comme des gamins, quoi.
pour les supporters. Voilà. C'était la fin de se faire charrier, allumer. Ouais, Marseillais, ouais, rien gagné. Et puis pour les plus jeunes d'entre eux, qui n'ont pas connu l'OM, qui gagnaient des titres, voilà, c'est une joie immense qu'on a partagée avec tous les supporters. Que cette coupe allait pour nous. Ils sont emballés par Marseillais. 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 Quand on a dû jouer là, les 5 matchs en 14 jours, on a pris 15 points. C'est rare en football, on a pris plus de points que de jours. C'est très très rare. Et puis là, voilà, on est passé devant, on a mis le nez à la fenêtre et on est resté. Droit au but, hein, comme Marseille, non, mais c'est important. Les adversaires, à chaque fois qu'ils venaient chez nous, croyaient en leur chance de pouvoir obtenir quelque chose. Et là, aujourd'hui, ça s'inverse un petit peu, et tant mieux, parce que avec les supporters qui nous poussent, avec l'envie qu'il y a derrière tout ça, ça doit nous aider à ramener des points et surtout à donner de la peur quand les équipes viennent chez nous. Et ça, c'est très important. Il a fallu du temps encore pour retrouver cette efficacité à domicile. On avait un objectif, c'était le titre, c'est clair. On se le disait entre nous, on ne le disait plus par contre en dehors. Par contre, à partir du moment où on était premier, on savait qu'il fallait garder le même état d'esprit et la même ambition pour garder cette place. Quoi. On a réussi à tout faire pour être premier. Et si on voulait y rester, il fallait faire exactement la même chose. Et c'est ce qu'on a fait. Thank you.
Auxerre a été une étape importante aussi pour arriver à ce match contre Rennes qui nous permet d'éviter un peu plus de stress et d'aller jusqu'au bout et de vivre les deux dernières journées avec un peu plus de relâchement. C'est l'apothéose, ça n'a pas été un match facile, mais voilà, d'être chez nous, arracher ce titre au Vélodrome devant notre public, et là, c'était une grande explosion de joie, quoi. Parce que bon, on connaissait le résultat d'Auxerre, on savait qu'en cas de victoire, bah, on était champion ce soir-là. Mais ça a été vraiment un match où bah, il y a tout eu, qu'on marque assez rapidement, les Rennais égalisent, ils ont des situations, c'est un peu compliqué pour nous. Et après, il y a ce but de Mamad déjà qui soulage un peu tout le monde et qui libère pardon, tout le monde. Et par contre, Lucho vient lui soulager et vient libérer et là on sait que bah, on est champion quoi, 3-1 le match est fini, on sait que Rennes ne va plus revenir et là c'est vraiment une explosion de joie et énormément de plaisir et d'émotion. Tout joueur qui aujourd'hui veut signer à l'Olympique de Marseille, il faut qu'il vive ça. Parce que c'est quelque chose que, même si moi je raconte, on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas se mettre à la place. Il faut vraiment le vivre. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Champion, j'ai dit ! Fini ! Fini ! C'est fini ! C'est fini ! Voilà ! Le travail est fait ! Toucher ce titre deux journées avant la fin, le soir de Rennes, après un match sympa, quoi. Où les Rennais ne se sont pas laissés aller, mais bon, on fait égalité à la mi-temps, et puis on marque deux buts derrière. La fête était complète, quoi. Il n'y avait pas de fausses notes. On était arrivé aux engagements que nous avions tous pris collectivement. Donc, quand vous jetez un coup d'œil derrière, vous vous dites que la saison a été magnifique. En y réfléchissant, je ne suis pas sûr d'en avoir eu conscience tout au long de la saison, mais je crois que j'étais obsédé par l'idée d'apporter un titre à Marseille. Parce qu'on l'avait promis le soir de l'hommage à Robert Louis Dreyfus, quand on a reçu Bordeaux, match aller. C'était pas gagné d'avance. C'est pour ça que moi je serai éternellement reconnaissant à Deschamps et aux joueurs. Allez, 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 allez
Même la défaite à Lille n'a pas réussi à gâcher la fête pour moi, parce que je trouve que les gars ont été exceptionnels. L'arbitre a fait une bêtise, bon, il nous a gâché la soirée. Il a un peu perturbé, à mon avis, la fin du championnat. On était bien, ce qui valide encore une fois complètement la globalité des choix de Didier, qui fait qu'on a un banc. C'est même pas un banc, c'est un groupe qui peut se permettre de changer 2-3 joueurs, et le rendement global du groupe n'est pas ou très peu affecté. Ce que je peux dire du coach, c'est que il a un état d'esprit de gagneur, ça c'est sûr. Et puis il a fait les recrutements qu'il fallait aussi. Donc voilà, je pense qu'il a apporté sa touche à l'OM. Il y a aussi c'est une continuité. Il y a José Anigo qui en est pour beaucoup. Et aussi Pape Diouf l'année dernière qui, depuis 5 ans, fait du travail. Et aujourd'hui, voilà, c'est aussi bénéficier de ce travail-là qui a fait qu'aujourd'hui l'OM, c'est tous des petits détails. Et le coach a aussi rajouté ça. Ça a mis son grain de sel, quoi. Donc je pense que c'est vraiment un travail de petit à petit qui est monté. Et que voilà, c'était indéniable, ça allait arriver. De toute façon, cette année, l'année prochaine, ça allait arriver. Champion, je parle avant, champion 2010, je suis très content. Merci pour tout le support ici. Merci à vous. C'est magnifique. C'est des bons moments, c'est des moments historiques. Il n'y a rien de plus beau. Ah non, je ne veux même pas t'aider, c'est fou quoi. Une chose est sûre, le plus important c'est de confirmer. Je pense que l'OM l'année prochaine devra jouer le titre et le clamer haut et fort. Et devra aussi faire quelque chose en Coupe d'Europe. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il faut être ambitieux dans la vie. Il faut être des gagnants, faut pas être des losers, faut pas croire parce que nanana, c'est un club français, pourquoi pas. Arriver, c'est difficile, se maintenir, c'est encore plus difficile. Mais il y a un groupe de qualité. Maintenant, tout le monde voudrait rester, mais je sais très bien que si je garde la même équipe, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas les mêmes résultats. Donc, il faut penser un peu à amener du sang frais et renforcer, être encore plus performant, parce que ça sera forcément plus dur la saison prochaine.